Bonjour, messieurs, dames. Je vais faire le point avec vous sur les plans en cours. D'une façon assez simple. J'ai perdu 3 kilos et 600 grammes. En 15 jours. J'ai gagné, que je vous dise pas de bêtises, dans les 500 euros. En 15 jours. Ce qui nous fait eh bien, ça fait du 6 300 euros. Et là, ça fait du 119 kilos. Plutôt pas mal, n'est-ce pas? Ben voilà, j'en suis là. Grand Dieu, j'ai hâte d'avoir mon futur appartement. J'y travaille. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, ça va être compliqué. Vous savez, j'utilise au mieux la modeste pension qu'on me reverse pour me retaper, me reconfigurer, me remettre sur pied depuis déjà quelque temps. Mais c'est plus long que je pensais. J'avais dit qu'en 2 ans et demi, je retravaillerais et qu'en 5 ans, j'aurais mon appartement. Je crois que je me suis un peu planté. C'est 3 à 4 ans pour se remettre sur pied et ensuite, eh ben, 1 an pour retravailler. C'est un petit peu plus long que je pensais. Mais ça marche. Donc, tout ça pour dire quoi? Vous savez, moi j'ai été au RSA. Moi j'ai été clodo. Bon, je suis encore en vie. Uniquement parce que je me suis débattu. Autour de moi, qui m'a aidé? Ma grand-mère, dans une moindre mesure, qui est devenue cardiaque. Ma mère, qui m'a beaucoup aidé et soutenu, qui a maintenant un cancer. Et ma petite sœur, qui elle va bien, heureusement d'ailleurs. Et un petit peu, mais de loin, mais de très loin, hein, mon papounet. Tout ça laisse à penser et à dire quoi? Eh ben, il me fallait une pause. Et j'ai craqué au cours de l'année 2018. En fin d'année. J'ai claqué quasiment 1 000 euros en un mois. Mais c'est pas grave parce que j'avais les moyens de le faire. Et m'en voulez pas, quand j'aurai mon appartement, je me donnerai les moyens de me meubler. Tout ça pour dire et laisser penser quoi? Ma situation est compliquée et conflictuelle, avec moi-même comme avec les autres. J'en suis désolé. Mais c'est comme ça que je marche. Je m'aime pas. Mais j'aime ce que je suis en train de devenir. Vous comprenez la complexité de la situation? Alors je redonne sens. 30 minutes de marche aller, 30 minutes de marche retour. 1 heure d'haltère par jour. Un régime monumental où je divise tout par deux. Par exemple, ce midi, c'est, comment dire, spaghetti bolognaise. On prend son assiette, on divise ce qu'on mange normalement par deux, et on prie le bon Dieu que l'estomac tienne. Si ça va pas, si on sent une fringale ou quelque chose, on prend un peu de un petit sucre ou autre chose. Mais on craque pas. On peut craquer. Mais pas trop. Donc,
Là, nous sommes dimanche, il est midi 20, il va falloir que j'aille manger. Ah oui, pour les petits malins, nous sommes le 6. Mon plan se déroule bien, pour l'instant il n'y a pas trop d'accrocs dans le tapis, pas trop d'envie. Je dors bien. Comment vous dire? Vous savez, j'ai toujours été... Enfin, j'utilise ma pension au mieux, je vous le montre. Par exemple, quand j'ai gagné les 95 euros, enfin les 125 euros, enfin les... Il y avait 170 euros à peu près que j'ai fait en gain à l'euro million, au loto et au jeu à gratter. J'ai remis 30 euros au Resto du Cœur et 30 euros à la SPA. Ça m'a fait un bien fou. Ensuite, je me suis payé cette montre et j'ai mis le reste de côté. Simple, pratique, efficace. Ben, je peux être aussi pragmatique et efficace avec le reste, et c'est exactement ce que je vais faire. Le reste de l'argent étant mis de côté pour mon appartement. Je compte bien me payer une petite lampe Tiffany avec l'argent de l'euro million et du loto. Mais nous verrons ça en son temps. J'hésiterai pas à vous la montrer. Ah, que vous dire d'autre? Une bonne journée et toute la réussite pour cette nouvelle semaine qui commence. Au revoir, messieurs, dames. Et n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons, mais ça je me tue à vous le dire. Au revoir.